Bonjour à tout le monde, moi c'est Armand depuis l'Écosse. Bon, aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de comment inviter les nouveaux membres pour venir regarder, par exemple, votre opportunité. Bon, il y a quelques techniques que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Bon, voilà, je vais prendre quelques exemples, n'est-ce pas? Imaginons, n'est-ce pas, que je vais prendre mon téléphone, je vais décrocher, ou bien je vais prendre mon téléphone, comme je le dis, je vais donc appeler Monsieur John, pour inviter Monsieur John à venir regarder ce que je fais ou bien pour pouvoir essayer de recruter Monsieur John. Bon, voilà ce que je fais. Bon, ça c'est un premier exemple. Je prends le téléphone. Allô, Monsieur John, bonjour. Oui, comment ça va? Monsieur John, écoute, j'ai une opportunité vraiment pour toi. Tu vas faire beaucoup d'argent. Oui, Monsieur John. Oui, Monsieur John, il s'agit de la crypto-monnaie. Oui, je vais t'expliquer, c'est la crypto-monnaie. Oui, c'est l'argent en ligne, Monsieur John. Tu ne peux pas toucher. Non, tu ne peux pas toucher. C'est l'argent en ligne. Oui, beaucoup de gens se font de l'argent dedans. C'est sur Internet. Tu payes un paquet d'éducation et après quelques mois, tu peux te faire des millions. Oui, Monsieur John. Oui. Ça marche. J'ai un ami qui fait ça. Ça marche. Je te dis, je te promets, ça marche. Bon, voilà. Voilà juste un exemple, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que Monsieur John va vraiment prendre l'opportunité au sérieux? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que vous commencez à demander à Monsieur John d'investir. Vous commencez à demander à Monsieur John, oh, il s'agit d'un business en ligne. Il s'agit de la crypto-monnaie. Mais c'est quoi la crypto-monnaie? Est-ce que Monsieur John saura ce que c'est que la crypto-monnaie? Bon, voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment les professionnels invite une nouvelle personne à venir jeter un coup d'œil sur l'opportunité. Bon, voilà. Je prends le téléphone. J'appelle Monsieur John. Voilà. Bonjour, Monsieur John. Oui, c'est Armand. Comment ça va? Ça fait longtemps. La famille, tout le monde va bien? Oui, Monsieur John, écoute, c'est bien comme je t'ai eu au téléphone parce que je suis en train d'entrer en réunion là. Monsieur John, est-ce que vous avez 2 minutes pour parler? Oui. Bon, Monsieur John, qu'est-ce que vous faites demain soir à partir de 19h? Oui, de 19h à 20h. Oui, Monsieur John, après le travail. Monsieur John, est-ce que vous pouvez bloquer une heure de temps, de votre temps, parce que chacun travaille sur un projet avec des entrepreneurs du Royaume-Uni? Je vous demande juste de prendre une heure de votre temps pour jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons, pour me donner un peu de conseils. Oui, demain soir, Monsieur John. Je peux compter sur vous? Merci. Monsieur John, s'il vous plaît, il faut être à temps. Je vais vous envoyer les détails. S'il vous plaît, il faut être à temps parce que je n'ai que 5 places seulement. Et les gens avec qui je travaille, c'est très important que nous soyons à temps. Voilà, merci beaucoup. Ok, je compte sur vous, Monsieur John. Hein? D'accord, merci. À demain. Bon, voilà. Voilà la différence. J'appelle Monsieur John. Je demande à Monsieur John de juste prendre une heure de son temps pour venir jeter un coup d'œil sur un projet sur lequel je travaille avec des entrepreneurs du Royaume-Uni. Et tout ce que je demande à Monsieur John, c'est de jeter un coup d'œil et me donner quelques conseils. Je ne suis pas en train de vendre. Je ne suis pas en train de demander à Monsieur John de joindre un business. Je ne demande pas à Monsieur John d'investir son argent. Je ne demande pas, je ne parle pas de la crypto-monnaie, je ne parle pas de l'internet, je ne parle pas de un business. Non, je n'utilise pas ce terme. C'est juste demander à Monsieur John de venir jeter un coup d'œil sur ce que nous faisons et me donner son opinion. C'est tout. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Votre travail, c'est d'inviter les nouvelles personnes à venir regarder l'opportunité. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple, là derrière moi, c'est la télévision. Imaginons que ça, c'est la télévision. Et je suis placé ici devant. Hein? Et je vous demande de regarder ce qui est sur l'écran de la télévision. Je suis au milieu. Mais je suis en train de vous barrer la voie. Je suis en train de vous barrer la voie. C'est comme si vous êtes en train de demander à Monsieur John, expliquer le business à Monsieur John, et la crypto-monnaie, c'est OnePoint. Vous êtes en train de barrer la vue à Monsieur John de voir ce que c'est. Ce que votre travail, c'est de basculer et pointer à Monsieur John où il y a l'écran. Et vous laissez à Monsieur John de faire sa décision ou bien de prendre sa décision après avoir vu la présentation. So, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est faire venir des personnes pour
qu'ils soient exposés à la présentation, n'est-ce pas? Et maintenant, après, ils vont voir si c'est une opportunité pour eux. Si c'est pour eux, c'est bon. Vous vous rappelez quand je parlais des 10 tasses de café? C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Plus les personnes vont venir, n'est-ce pas? Plus ils vont jeter un coup dessus l'opportunité. Et maintenant, quelques-uns vont décider de faire le business. Pas tout, nous ne cherchons pas que 100 personnes vont venir et nous espérons qu'ils vont dire oui. Non, nous cherchons seulement 5. Si 5 personnes sur 100 personnes décident d'entrer dans votre business, nous allons travailler avec les 5. Ok? Bon, voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Comment inviter? On vous a donné quelques tips, mais la prochaine fois, nous allons encore parler de beaucoup d'autres choses. Bon, restez connectés parce que nous avons beaucoup de choses pour vous. C'est Armand, depuis l'Écosse. One Life, Cameroun. To all the One Life family around the globe, I have a message for you. I know sometimes it's tough when you're building your business. Sometimes it might be very, very daunting. Sometimes you don't have support maybe from your friend and family. Sometimes you invite people to come and have a look at the opportunity. Some of them say they're coming, but they let you down. But what I'm going to tell you today, okay, tell yourself every day, it's okay. Help is on the way. It's okay. Help is on the way. I believe in you because someone believed in me when I first started. If you believe in yourself, together, we're going to take one life, one coin, to the next level.